Oh, terrible, terrible. Hey, génial. Ça me rappelle un truc de 1989. Hey, pourquoi tu me parles de 1989? Bah, je sais pas pourquoi. Moi, ça me rappelle, c'est l'année où j'ai changé mes pneus pour des pneus neufs. Un trop délire, je veux dire. Bienvenue à toi dans The Big Game of Ski. Eh oui, une nouvelle intro, n'importe Nawaï, pour vous parler d'un shoot'em up de 1989. En général, quand je prends un air paniqué comme ça veut dire que dans les streams précédents, je me suis tapé des titres pas très très recommandables. Et que, pour votre plus grand malheur, je vous ai partagé. Aujourd'hui, on va espérer qu'ensemble nous parcourrons un bon moment au travers de ce titre qui s'appelle. Je regarde ma liste, je mets mes lunettes, et oui, Guy. Master of Weapon. Master of Weapon. Ne serait-ce pas un petit poil prétentieux? Allez, feu. Alors, c'est du Taito. Taito, c'est des pros. Ça devrait envoyer du gros. Oui, les jeux de mots faciles, les rimes évidentes. Vous me connaissez, c'est ma grande préférence. Ok, super. Donc tu avais un télécran pour faire ton titre d'intro, c'est bien. Est-ce que tu ne nous mettrais pas une démo directement? Ce serait peut-être plus raisonnable. Plus t'as oublié de colorier un petit peu là-bas. Ah oui, le scénario dans un shmup, toujours très important. Oh, c'est mignon ça. Alors, c'est mignon. C'est 8-16 bits. Et c'est bien speed. J'espère que la borne tournait à cette vitesse à l'époque. Normalement, oui. Eh ben, mes amis, vous savez quoi? Je pense que ça fait partie de cette génération de petits shmups bien sympas qui ont laissé quand même pas mal de traces dans les mémoires. Comme par exemple Gemini Wings, dont il a l'air de reprendre un petit peu des bouts. On va se tester ça directement, hein, ce sera beaucoup plus simple. Alors, piou-piou-piou, stock 2, c'est les vaisseaux, j'ai pas de bombe. Allez, on va faire un filet. Voilà. Et bon, c'est le deuxième bouton. Bonjour, je viens pour le stage pour avoir monté en grade et avoir une vraie arme. Parce que si c'est pour me faire repartir bien devant, mais que c'est super galère de récupérer de l'équipement, je veux dire. À quoi? Ça compte les immeubles? Je me suis mangé un immeuble, je me suis bouffé le décor. Je suis tristesse, je suis désolation, je suis ouh, des boulettes dans ma gueule bien rapide. Celui-là, je vais pas le one CC, hein. Alors oui, il y a plein d'originalité dans ce titre du coup, c'est marrant. Mais le problème, c'est qu'à l'affichage, c'est un poil le merdier, quoi. Alors, ils ont beau y mettre des palettes qui n'avaient aucun noir pour qu'on arrive à distinguer de tout ce qui vient du fond, je vous garantis qu'il faut limite faire plus gaffe à ce qui ne ressemble pas à un vaisseau que à ce qui est volant et qui vous menace soit en fonçant sur vous, soit en vous balançant une bonne tripotée de boulettes. Pardon. Je maîtrise, je maîtrise. Alors, je maîtrisais. Bon, on va le mettre au passé. Alors, il est assez sympa pour me refiler l'équipement au louche adéquat quand je redémarre à poil avec mon pistolet à bouchon. Ça n'empêche pas que. C'est un poil tendu, toujours cette lisibilité, plus ben je sais pas. Je suis pas bon aussi aujourd'hui. Je voterai plutôt pour. La musique est trop rigolote. Je vais manger un building encore. C'est tendu quand même de devoir faire son passage dans le décor sous punition de se manger, bah, de se le manger ce fameux décor. Merdasse. Et mine de rien, les trucs au sol, il y en a quelques-uns qui résistent pas mal. De là à dire qu'il est un peu difficile. Oui. Faut que je fasse gaffe à ce qui est au sol. Vraiment, en priorité. C'est la première fois dans un shoot où oui, je fais plus attention à ce qui est par terre qu'à ce qui est en l'air.
Tu l'as déjà dit, oui je sais, mais je vais insister pour que les gens comprennent bien. Mais les gens sont pas si bêtes, hein. Heureusement qu'il y a que trois boulettes à chaque fois. On va les appeler des cerises d'ailleurs, parce qu'elles font bien cerises confites, quoi. Ah ça y est, j'ai envie de cerises confites. Saloperie de jeu. Alors des cerises confites, j'ai jamais compris avec quoi ça se mangeait. À part en déco sur un gâteau. C'est tellement sucré, on sent même plus le goût de la cerise. T'es là, t'sais, tu as l'impression de bouffer en une cerise 27 cubes de sucre. Alors pourquoi je parle de ça? Bah parce que je m'emmerde un peu dans ce pattern qui est... Je pense qu'on a commencé à le mémoriser là, les gars. Retenez, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est un peu comme la valse. Oh, un tas de morve. Lui au moins, il est rigolo avec ça. Avec son. Oh, appelez ça comme vous voulez, un bande de vicieux, de toute façon, c'est pas mon problème. On va continuer parce que là, ça m'a. Forcément, dès qu'il y a une connerie, vous me connaissez. Oh, une connerie, vite, faut que j'en fasse profiter mes viewers. Piu piu piu. Tu sens mon courroux? Quoi, c'était ça comptait ces tirs-là? Putain, j'arriverai jamais à choper ces bonus. Oh, comme je suis malheureux. Mais comme je suis nul en plus. Tiens, prends donc ça dans ton appendice. Oui. Modérons un peu le langage, on ne sait jamais qui regarde ça. Il y a des âmes choquables. Alors derrière, je tire en continu. C'est quand même space. Monsieur. Ah non, c'était la turbine. Eh bien, on prévient quand on fait des effets spéciaux. Et oui, moi j'ai Gérard Jugnot hein, comme mec aux effets spéciaux. C'est mon truquiste attitré. Mon truquiste attitré. C'est Atristan. Non, pas Tristan. Atristan, un seul mot. Comment ça, je dis n'importe quoi pour meubler? Bah oui, parce qu'on a fait nos 7 minutes et j'ai droit de partir de ce jeu. Alors, je vais pas vraiment de. On va continuer en fait. Parce que, regardez, il y a des efforts. Les bestioles sont super marrantes. Mais niveau jouabilité, je vais peut-être mettre une petite option. Parce que Pépère, là, il est un peu compliqué. Et il donne pas vraiment tout de suite l'équipement pour dès qu'on se fait un peu latter la gueule. Genre, toi, trois coups de tir là, ça va être vite réglé. Je me mets bien sur ton laser, dès qu'il part, et tu vas voir, tu vas te suicider, tellement tu vas être déçu d'avoir quelqu'un aussi mauvais en face. Je vais arrêter le massacre tout simplement. On va le mettre dans les validés, parce que du coup, il est hyper intéressant, il est hyper vif. Par contre, il n'est pas recommandé aux débutants, quoi. Ils vont se faire têche du jeu ou alors pas arrêter d'insérer des crédits. C'est un petit poil dommage. Hop, on sort d'ici, il y a des rétros. Voilà, c'était le petit shmup du jour, Master of Weapon de 1989, qui est dans les validés donc, et qui vous amusera particulièrement si vous aimez les jeux un petit peu difficiles. Si vous avez envie de vous détendre, juste mettez-le au grenier, il ira très très bien là-bas. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau stream. En attendant, vous pouvez regarder la rubrique généraliste ou la rubrique des. Marteau, fou, cinglé, limite psychopathe de boulette, là. Ciao.